Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papa Gamer. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on continue les menus. Alors, je suis rendu au menu 27. J'en ai fait quelques-uns qui n'étaient pas plus intéressants que ça. Donc là, on va s'attaquer au menu 27, menu Chevrolet, où on doit gagner une Corvette C7, une convertible C3 et la ZR1. Alors, que va nous annoncer Lucas? Ah non, Chevrolet, c'est plus Corvette pour moi plutôt que les SUV, mais bon. Allez, trois courses. Trois courses, on va aller voir où ça nous amène, sûrement sur les circuits américains. Ce serait logique. On peut passer, allez hop. Alors. Donc oui, Amérique. Alors on a quoi? Laguna Seca, Special Stage. Ah ouais, c'est celui-là. Et Daytona. Bon, on va faire Laguna Seca. Allez, go. 5 tours. Quand même. Allez, zou. Ah bah oui, mais super. Qu'est-ce qu'elle est... Bah, j'ai équipé quand même cette voiture, parce que c'était un peu une savonnette, hein, si vous vous rappelez. Parce que le cas de... Ah ouais, ça freine vachement mieux. Alors déjà, je lui ai mis des pneus de course. Des beaux petits pneus slick, là, qui tiennent bien le pavé. Ok. Et j'ai mis de nouveaux freins. J'avais pas modifié les freins aussi. Donc là, j'ai mis. Ah ouais, c'est un truc de fou. Le kit de freinage en carbone. C'est un truc de fou. Ça freine hyper bien. Ouais, alors par contre, les. Ça ne corrige pas toutes les erreurs. Ah là 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 là, bah oui, mais j'ai trop confiance dans le système de freinage. Et j'oublie que la voiture fait quand même quasiment 2 tonnes, donc ça ne s'arrête pas comme ça. Donc c'était le tour de chauffe. Voilà. Ça chasse un peu, mais c'est quand même nettement mieux. Ouais, vous voyez, ça chasse un peu du cul. Mais ça n'a rien à voir. Là, on peut mordre hein, avec ce style de voiture, on peut mordre quand même. Ça va pas tirer tout droit. Ah ouais, non, mais ça a rien à voir. J'aurais été tiré tout droit avant avec les autres pneus. Ah là là, ça pousse. Attention, le freinage. C'est pareil, j'évite de bloquer les freins. Voilà, moi aussi je pousse. Bon, c'est pas propre. Ouf.
J'avais un boulevard sur la droite et j'ai voulu me faufiler là où c'était carrément pas possible. Oh là 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 là. Oh mais les premiers sont loin. Ah oui. Ah c'est chaud là. Bon, faut être troisième, donc ça va, mais... Ah, on rattrape. Faut faire l'idiot, faut pas faire l'idiot. Ça saute un peu quand même. Allez, 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 on y croit. C'est le premier, je sais pas ce qui conduit. Ah, c'est toujours... C'est Solis aussi. Oh, 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 il se passe quoi? Oh là 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 là. Bizarre, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Bon bah là c'est peut-être pas gagné que je vais les rattraper. Ah, ok. Bon. Je devrais au moins être deuxième, je pense, si je fais pas trop d'erreurs. C'est quoi ta voiture, toi? Camaro? Corvette. Ah ouais mais les gars Allez le premier. Oh si c'est jouable. C'est le dernier tour là. Il va vite hein. Il va vite donc est-ce que sur le stage spécial route X là. Elle est chaud quand même. S'il met les misères en ligne droite. Allez. Ah mais regarde tes contrôles avant de tourner. Les mecs ils voient pas, je suis dans son angle mort. Je vais mollo parce que... Tout à l'heure je me suis bien rétamé ici. Et j'appuie doucement sur l'accélérateur. Non, 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 non. Hop. Voilà. Oh, je prends pas de risque. Allez, go. C'est bon, ils sont encore dans le virage. Et joli. Bon, c'est pas la... Pas la meilleure course que j'ai fait. Allez, par ici les 30 000.
Et je vais aller m'attaquer spécial stage route 10. J'ai hâte de voir ce que donne la bagnole sur l'ovale. Alors, hop! Et donc, troisième place minimum, on est toujours bon. Ah, il n'y a qu'un tour là par contre. Il n'y a qu'un tour. D'accord. Ah oui. Alors j'imagine qu'on peut pas arriver à... On peut pas arriver pleine balle dans le dans les virages. Hop. Inspiration, inspiration, hein, toujours. Ouf, il y a une septième. C'est chaud, là. Je suis cinquième. Ah, ça monte. Allez. Troisième. Ouais, 300. Ah, les deux sont juste devant là. Alors, ce qui est bien, heureusement qu'il y a une septième vitesse sur ce, sur cette voiture quand même, parce que ça aurait été dommage d'être bloqué par le fond de sixième, mais j'ai l'impression qu'elle ne va pas beaucoup plus vite. Elle ralentit un petit peu là. Je gagne du temps, ouais, je les rattrape. Quand on regarde le compteur là-haut, là, 4 secondes 5, ouais, si, ça rattrape. Par contre, je vais arriver dans le virage. Je ne sais pas s'il faut freiner. Je ne connais pas ce circuit. Peut-être pas l'impression. Est-ce qu'on peut prendre un virage à 340 à l'heure? Tiens, Solis. Le premier, il a quoi? Il conduit quoi, le premier? Donc, ouais, visible. Ah oui, c'est un virage comme ça en plus. Bon, bah alors, allons-y. Je ralentis, par contre. Ah, le premier, ça va peut-être être chaud, hein. Secondes. Voilà, si je le rattrape petit peu par petit peu. Allez, 3 secondes, je passe sous la barre des 3 secondes difficilement, hein, ça va être allez, allez, ça y est, je suis sous la barre des 3 secondes. Bon, alors il se passe pas grand chose de très intéressant en même temps. Hein. Ça me paraît compliqué pour finir premier. J'ai l'impression que. Si, on attrape un peu là. 2 secondes 7. Bon, il reste beaucoup de longueur encore. Ouais, finalement, le tour est très long. Finalement, c'est bien qu'on ait qu'un seul tour. Parce que 3 tours de ça, ça aurait été pénible. Alors par contre, tout à l'heure j'étais à 340, pourquoi je suis qu'à 330? Pourquoi je plafonne? Non, je rattraperai pas, je pense, parce que là j'ai fait la moitié de la grande ligne droite et j'ai gagné, fallait quoi? 4 dixièmes? Ouais, c'est marrant ça, plafonne à 329. D'ailleurs, j'étais à 340. Mais j'avais de l'aspiration aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ah, là, j'augmente les vitesses.
Ah. Ah, je prends pour l'aspiration déjà quand même. Trop loin pour l'aspiration. Ou alors ça descend. En même temps, je passe sous la barre des 2 secondes là. Ah bon. Qu'est-ce qu'il conduit comme véhicule lui? Oui, comme véhicule. J'ai dit véhicule. Allez. Ah, c'est fou, hein. J'ai l'impression que... Allez. Par contre, l'arrivée est juste en sortie de virage. Qu'est-ce que t'as, mon coco? Ah, dommage. Ben, il aurait fallu un deuxième tour pour que je le batte. Je pense qu'avec un deuxième tour, c'était bon. Voilà, on arrive... 336, ouais, ça doit descendre, là. On arrive à l'arrivée. Allez, 340, bah ben oui, mais c'est là que... Voilà. Bon bah c'est pas grave, deuxième c'est très bien. J'ai juste... Qu'est-ce qu'il conduit? Une Corvette C7, d'accord. Bon bah... À noter pour la prochaine fois, la C7, ça marche très bien. Course parfaite, bah en même temps. Hello. Donc voilà, bah justement, ah, voilà la C7. Et on va aller se rendre maintenant à Daytona. Youp. Et l'American Clubman Cup 700. Yes. On est toujours bon. 4 tours. Quand même. Ça pousse derrière. Ok, c'est mal engagé. Ça donne un petit peu de piment comme ça, de se craquer dès le début de la course. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? Merci les freins en carbone. Voilà. Donc là, attention la chicane au bout. Mais je suis un bœuf. Oh là 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 là. Ah, ils ont pilé devant moi, j'ai pas fait gaffe. Je lui ai défoncé l'arrière. Donc bonus parfait, au revoir. Bonus de course parfaite, au revoir. Quel bœuf, mais quel bœuf les amis. Fred, ah oui, alors là, les freins carbone, ça récupère pas tout. Hein. Ouais, je peux plus m'arrêter là.
tiens juste l'accélération, ça suffit. Voilà. Zut. Alors c'est marrant parce que même l'ordinateur, là on vient de voir la Viper, elle suit pas les recommandations de, des points jaunes. Techniquement là où il faut prendre le virage. Bizarre. Donc lui ça va être bon, c'est encore le premier en fait avec sa corvette. Ouais il va me manger, bah oui il est déjà rendu à la chicane. Voilà. Fallait que je lâche l'accélérateur, sinon je serais parti en cacahuète. Ah, on rattrape là, hein, par contre. Alors, je comprends pas. Je crois que ce virage, j'y arriverai pas. Et celui-là non plus, c'est pas possible. Alors, je comprends pas comment j'arrive à rattraper en ligne droite la corvette qui est juste devant moi, alors que dans le circuit d'avant, c'était pas possible. Oh non, non, non! Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Allez. Et déjà, il part déjà loin. Allez, il nous reste un tour. C'est déjà la chicane, j'y crois pas. Mais il y a le boulot, hein. Voilà. C'est pas en faisant le bourrin qu'on fait les meilleurs temps. Alors il va falloir que je me souvienne de ce que je viens de dire dans quelques instants et ne pas arriver comme un bourrin dans le virage. Ah là. Oh. Et lui il passe crème. C'est fou ça, hein. Hop, je ferme. Ok. Bon, ça c'est pas trop mal. Ah oui, vous êtes en retard les mecs. Oup, 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 oup. Bon là normalement, plus de difficultés majeures. Si je fais pas n'importe quoi. Si si il y a une. Attends, la chicane. Ah bah si 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 il y a la chicane. Tranquille. Voilà.
Là, maintenant, il n'y a plus de difficulté majeure. La pluie va pas arriver, non, c'est bon. Et ben voilà. Bon, et ben un carnage cette course. La safety car, ça a été la danger car. Là. Elle a fait n'importe quoi. Dangerous car. Allez, donne-moi les 30 000. Donne-moi la bagnole. Et retournons voir Luca. Je sais pas jusqu'à combien on va au niveau de collection, hein, mais... Parce qu'autant au niveau de collectionneur, ça débloquait les missions, mais là, je les ai toutes débloquées. Faut que je les fasse maintenant. Hop, alors... On termine avec notre Luca et on se quitte après ça, les amis. Ouais, sympa la petite. La jaune, là, est vraiment. C'est 7, hein, c'est ça, c'est 7. Elle est vraiment de la classe. Collection de Chevrolet est achevée. Il va encore nous fraser dessus. Ah! Eh ben, on ira voir le ticket de roulette également. Histoire de voir. Quelle loose, quel cadeau de la loose je vais avoir. Ah, eh, sympa là. Ouais, c'est un hostile ça quand même. 6 cylindres déjà là-dedans. Allez, okay. Magnifique. Alors, allons voir notre ticket. Quatre étoiles, s'il vous plaît. Allez. Balance-moi du lourd. Ah, ça devrait être pas mal, là. Bon, c'est pas les lingots, mais... Alors combien, elle a 30 000 ? 30 000, bon. Eh bien, écoutez, c'est pas si mal. Donc voilà, la vidéo se termine ainsi, les amis. Si celle-ci vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à activer la cloche des notifications et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, salut !